Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif, le numéro 6, et oui déjà ça passe vite. Alors je rappelle pour celles qui ne connaissent pas ce genre de vidéo sur ma chaîne, le journal créatif, j'y parle de tout ce que j'ai fait sur toute la semaine, donc du dimanche au samedi. Donc, il peut y avoir du DP, il peut y avoir de la broderie, du tricot, du crochet, du coloriage et d'autres choses. Pourquoi pas si j'ai fait d'autres activités pendant la semaine. Alors, sinon, la semaine dernière, j'avais prévu, donc lors du dernier journal créatif, j'avais prévu quelques petits objectifs, comme d'habitude. Donc, je prends mon petit carnet, comme d'habitude également, pour vous rappeler ce que j'avais prévu. Alors, en broderie, j'avais prévu de travailler sur le calendrier de l'Avent, sur mon mandala, sur ma broderie météo, celle avec les fleurs, hein, de jardin privé, ma maison météo, à moi, la broderie maison météo 2024, la grenouille de Sabine, ma broderie blackwork avec les alvéoles. En tricot, j'avais prévu de travailler sur mon pull gris, sur mon gilet, finir aussi mon pull en coton, et ma couverture météo, voilà, donc rattraper mon retard, et aussi faire le DP, donc les deux cases que vous avez choisies, et s'il me restait un petit peu de temps, continuer un peu mon coloriage. Alors, je n'ai pas tout fait, je n'ai pas pu tout faire, parce que j'ai été pas mal, comment on va dire, un peu dérangée à cause des travaux dans la maison, donc ça perturbait pas mal tout le bruit, la poussière, voilà. J'ai aussi ma visite médicale du mois, donc rien, hein, c'est juste pour mon ordonnance. J'ai eu le dentiste. Voilà, donc j'ai quand même eu des choses qui m'ont empêché de travailler sur mes ouvrages, mais bon, c'est pas grave. Mais vous allez voir quand même, alors celles qui sont sur mon groupe l'ont déjà vu, mais vous allez voir quand même que j'ai quand même pas mal avancé sur certaines choses, qu'il y a des choses terminées, voilà, et des choses qui sont sur le chemin de la fin, voilà, qui sont en train de se terminer. Donc, je pense que j'ai quand même pas mal bossé cette semaine, malgré les coupures que j'ai eues cette semaine. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le DP. Alors, vous aviez choisi deux cases. Les cases qui ont eu le plus de votes, c'était la case 17 et 21. Bah écoutez, on commence à le voir, hein. Regardez. Vous voyez? On commence à le découvrir. Donc, toute sa tête est faite maintenant. Voilà. Il y a de beaux yeux, hein. Donc, toute sa tête est faite. Plus une case ici en bas et une case ici en haut. Voilà, donc sinon toute la tête est terminée. Bon, je pense que vous aviez choisi ces numéros-là exprès, hein, pour que je termine la tête. Mais regardez, en plus il brille de mille feux, il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Et je l'avais déjà dit, hein, dans les précédentes vidéos, mais c'est vrai que cette façon de faire me motive beaucoup pour avancer. J'avance doucement puisque j'avance deux cases à la fois par semaine, mais au moins j'avance. Voilà.
Alors, je vais vous remettre une photo comme d'habitude, ici ou là, avec les numéros restants. Donc maintenant, il reste 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il en reste encore 24. Donc, ce qui fait qu'il me resterait 12 semaines. Donc, je pense qu'on va accélérer un petit peu. Que 12 semaines, ça fait 3 mois. On ne va pas encore rester 3 mois sur le même DP, hein. Donc là, je vais vous demander de choisir non pas deux numéros, mais d'en choisir, on va dire trois. Voilà, on va y aller crescendo. Vous allez choisir donc trois numéros. Et ce sera les trois numéros qui auront eu le plus de votes que je ferai. Voilà. Donc, je vous remontre ce qui a été fait. Voilà. Depuis tout à l'heure, vous avez l'image avec les numéros restants. Donc, profitez-en maintenant de marquer les trois numéros que vous voulez que je fasse et que vous me marquerez dans votre commentaire à la fin de la vidéo. Voilà. Parce que vaut mieux regarder la vidéo jusqu'au bout, hein, c'est plus intéressant. Et comme ça, oh, excusez-moi, il est assez tard, hein? Mais vous savez que je bâille souvent, je suis toujours fatiguée. Comme ça, on avancera un peu plus vite. Voilà, donc très joli, mon petit bout. Alors, je n'ai rien fait d'autre en DP cette semaine. La semaine dernière, vous aviez vu, hein, j'avais fait une petite tortue, mais cette semaine, j'ai rien fait de plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, oui. Alors, j'avais dit, là on va parler broderie, j'avais dit que je ne commencerai rien d'autre. J'avais dit que je commencerai de nouvelles broderies quand j'en aurai terminé au moins une. Et dans ce cas-là, j'en referai une. Ouais. Mais ça, c'est de la faute à Julia. Voilà, c'est sa faute. Julia Roscocon, hein, vous connaissez? Notre tentatrice. Donc, c'est de sa faute. Voilà, si j'ai commencé une nouvelle broderie. Bon, elle est tout juste commencée. Je pense que celles qui suivent Julia doivent savoir de quelle broderie je parle. Alors, j'ai mis où? Donc, je vous ai dit, elle est tout juste commencée, hein. J'ai travaillé qu'une fois dessus cette semaine. J'ai fait quand ben, lundi. J'ai fait ça lundi. Oups, attention, sinon je vais perdre mes fils. Et je vous mets ici, eh oui, l'image de la broderie tentatrice. Donc c'est le sale que Julia organise. Le All Forest, il y a un autre nom, mais je ne l'ai plus en tête. Et donc voilà, je l'ai commencé. Bon, c'est vraiment un tout début, mais c'est déjà un début. Voilà. Donc moi, je le fais avec des fils DMC simples. Je ne fais pas de variation ni rien. Je vais le laisser vraiment tout simple. Et donc, je l'ai fait sur... Alors, je vous montre de plus près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Alors, c'est une toile que j'ai rachetée à... Oh, j'ai oublié son nom. Désolée si tu passes par là. J'ai oublié ton nom. Elle est membre de mon groupe de Vide Atelier. Et elle vendait de la toile. Donc, celle-ci, c'est de l'étamine. Mais l'étamine façon lin. Voilà, vous voyez. Et c'est du 4. 14 fils.
Donc très très fin. Moi d'habitude je travaille que sur du 12-6. Là c'est du 14. Donc c'est encore plus fin. Mais ça va. Bon, bien sûr, avec ma loupe. Sans loupe, là, c'est même pas la peine. Hein. Déjà, même pour enfiler l'aiguille, c'est compliqué sans la loupe. Donc, voilà. Mais j'aime bien mon petit début. Voilà. Alors, si j'ai bien tout en tête, Julia demande que l'on brode 1000 croix par mois. Voilà, j'espère ne pas me tromper. Bon, on verra si je fais les 1000 croix par mois. Hein. Bon, je suis en retard. De toute façon, j'ai commencé un peu après les autres, je crois. Je ne sais plus quand est-ce la date exacte où elle l'a mis en place. Mais il n'y a pas longtemps, hein, je sais, mais... Mais voilà, donc normalement il faut faire 1000 croix par mois, mais bon. Alors, moi j'ai eu un souci, il faut que je réessaye. Je n'ai pas réussi à le mettre sur mon pattern keeper, alors ça m'embête, mais je vais regarder ça cette semaine à tête reposée. Pourquoi j'ai pas réussi à le mettre sur mon pattern keeper? Voilà, je vais y arriver. Mais bon, j'ai bien trouvé la solution puisqu'il y en a qui ont su le faire, donc je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas. Donc voilà. Ah, je croyais, non, je croyais qu'il y avait une petite erreur, mais non. Donc je continuerai tout doucement à travailler dessus. Déjà là, bon, c'est très agréable, j'aime bien. Alors, si Julia fait une vidéo sur ce châle, donc je vous invite à aller, je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il y a une vidéo pour ce châle où elle explique tout et où elle donne aussi le lien donc, pour avoir la grille, car elle est gratuite. Vous pouvez l'avoir gratuitement sur le site. D'ailleurs, j'étais sur le site. Mais bon, pour l'instant, j'ai enregistré des gratuits. Mais les payants, il y en a quelques-uns qui me font de l'œil aussi. Mais bon, pour l'instant, non, non, non. Donc voilà, bon, ben, j'ai commencé une nouvelle broderie. Hein, que voulez-vous? De toute façon, je ne suis pas la seule, n'est-ce pas? Je ne vise personne. Mais beaucoup doivent dire, ah oui, ça me rappelle quelqu'un. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors, elle est ici. J'ai avancé sur mon châle à moi. Voilà, le châle que j'organise. Pareil, je vous remets la photo ici. Donc, vous avez vu, c'est le châle de la maison météo. Je m'étais dit, je vais faire deux fenêtres. Je voulais faire deux fenêtres et en fin de compte, j'en ai fait trois. Donc là, maintenant, j'en ai 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, sur 52 fenêtres, ben, j'en ai plus que 40 à faire. Voilà. On va se motiver comme ça. Donc, j'ai fait ces trois-là, ici. Donc, bon, j'aime beaucoup le faire. Bon, c'est normal, hein. C'est une grille que j'ai dessinée moi-même. Donc, ce serait ballot que j'aime pas la faire. Mais voilà. Et là, après, je pense que je vais donc refaire. Il y a une fenêtre à remettre ici. Et ici, après, il y a le début de la porte. Donc, je pense que je vais commencer le début de la porte. Et après, je referai une fenêtre. Vous voyez, pour dire de changer un petit peu. Mais sinon, voilà.
J'aime beaucoup. Je crois qu'elle rendra vraiment bien. Je vous dis, il y en a déjà qui l'ont terminé, hein, qui ont terminé toute la structure. C'est ce que j'avais demandé. J'avais dit qu'on avait jusqu'au 31 décembre pour faire toute la structure. Et j'en ai en 15 jours, 3 semaines, ils avaient tout fait. Ils avaient terminé. Mais non, c'est pas mon cas, moi. Moi, je ne brode pas si vite que ça. Mais bon, j'ai beaucoup d'ouvrages aussi en route. Donc, il y a ça aussi. Bon, celle-là, je ne peux pas la fermer jusqu'en haut complètement, mais c'est pas grave. Hop, on va mettre là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait en broderie? Oui. Alors, je l'ai mis. Voilà. Alors là, vous avez peut-être pu voir dans une vidéo précédente, je vous ai mis l'extrait. Je vous ai mis un petit extrait pour vous faire entendre le bruit qu'on avait. Et j'étais en train de broder justement cette broderie quand je vous ai enregistré le bruit qu'on avait. Donc, était vraiment d'actualité parce que je n'étais pas du tout sereine, ni détendue, ni relaxe. Bon, par contre, elle a avancé. Alors du coup, j'ai fait. Alors je voulais terminer le mandala ici, mais je n'ai pas pu parce qu'après le bruit, ça, j'en pouvais plus. Mais j'ai fait tout le rouge. Voilà. Donc, tout le rouge est fait. Là, il me reste encore. Qu'est-ce qu'il me reste comme couleur? Il me reste du jaune à mettre, du bleu, un peu de bleu. Et après à faire comme ici, vous voyez, tous les points arrière dans les fleurs. Oh, j'ai un truc qui me pique à mon pied, mais ça me lance. Voilà, donc là, vous voyez, dans les fleurs, tout ça. Ici aussi, il y a un petit peu de points arrière à faire. Mais voilà. Mais ça va, j'ai avancé quand même, malgré le bruit, j'ai quand même réussi à avancer dessus. Donc je suis toujours sur la partie 3. Normalement, on devait le terminer le 31 août. Donc il y a 4 parties. Mais à part Steph qui l'a entièrement terminé, Jennifer, Laurence et moi, on a pris du retard. Et bah, du coup, là, on avance comme on peut. Voilà, un point à la fois. Je sais que Jennifer l'a mis de côté pour l'instant, mais elle va le reprendre pour le printemps, si je ne me trompe pas. Là, pour l'instant, elle a voulu le mettre de côté. Bon, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci. Le principal, c'est de le faire et de le terminer. Voilà. Donc, on verra. Peut-être que je l'aurai fini. Aux portes de l'hiver, mais bon, on verra bien. Donc, mon mandala, l'objectif est atteint également, quand même, on va dire, à moitié atteint. Voilà. Alors. J'ai des crampes. Fait pas bon vieillir, hein, je vous le dis. Devinez. Mais je crois que c'est, il fait exprès. À chaque fois qu'il me voit faire la vidéo le samedi soir, je crois qu'il le fait exprès pour me dire, maman, je vais aller faire pipi dans la cour. Bon, allez, on fait une petite pause. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors,
Du coup, ça m'a coupé, je ne sais plus ce que je disais. Donc, je vous ai montré le mandala. Ah, celle-ci. Alors, celle-ci, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, j'ai bien avancé dessus aussi. Enfin, j'ai avancé. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait les deux ici. Et j'ai commencé celui-là. Donc là, ça va être rose comme ceci. Et au milieu, ce sera violet. Donc, j'aime beaucoup. Alors là, celui-là, j'avais pas été jusqu'au bout. Allez, viens. Viens, maman. Allez, saute. Voilà, excusez-moi. Il n'arrivait plus à sauter dans son panier. celui-là, j'aurais pu l'avoir fini, mais j'avais fait une petite erreur. Du coup, là où c'est blanc, bah, c'est ce que j'ai démonté. Et puis bon, là j'en avais un peu marre, donc j'ai dit je le ferai demain ou dans la semaine, ce n'est pas grave. Voilà, mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc objectif atteint également. Mais mince, c'est quoi ce truc qui me pique? Alors, c'est des nouvelles pantoufles. Est-ce que j'aurais laissé un... Des fois, on laisse un petit plastique dedans. Oh. Faut que je regarde. Oh, c'est... Non, j'ai rien laissé dedans. Il n'y a pas de bestiole. On ne sait jamais. Les petites pantoufles que j'ai achetées aujourd'hui chez Action. Du coup, on a été chez Action, mais à Aulnois-les-Valenciennes. Voilà. Il nous fallait 2-3 bricoles. Hop, c'est remis. Mais ça me pique toujours. Bon, je ne sais pas. Peut-être une bébête qui m'a piqué et puis que je n'ai pas vu. En ce moment, on est encore re-envahi, ça se dit. De moucherons. Oh, c'est une horreur. On avait eu ça il y a quelques semaines et on avait réussi à s'en débarrasser définitivement. Et là, je ne sais pas si c'est cause à effet, mais quand ils ont démonté le petit toit, on a été envahi encore de moucherons. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais bon. Là, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais bon, j'en ai qui sont encore au plafond, là. C'est galère. Alors, ensuite. Oui. Alors, je suis à jour, moins aujourd'hui. Oui. Je crois qu'il n'y a que aujourd'hui, je n'ai pas fait. Hier et aujourd'hui, je l'ai fait quand? Je l'ai fait jeudi. Donc non, il manque dessus vendredi et aujourd'hui. Donc ça m'énerve cette piqûre. Oh. Alors. Donc il manque... Ben, je dois terminer la fleur, tout simplement. Voilà. Donc pour que ma semaine soit à jour, il me reste un pétale à faire là et un ici. Et mettre les perles au milieu de mes fleurs, puisque moi je mets des perles. Mais voilà. Donc, sinon, bon, on va dire que je suis à jour. Hein. Voilà. Donc, c'est ma broderie météo. Donc, celle-là, elle vient de chez Jardin Privé. Et c'est le modèle de l'année dernière. Et donc, moi, je l'ai remis à jour pour cette année. Mais sinon, voilà. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'avais choisi qu'on fasse celle-là. Donc, on l'a fait en salle. J'avais choisi qu'on fait celle-là. Car celle de cette année, je n'aime pas. Mais alors, je n'aime pas du tout.
Bon, c'est peut-être joli hein, pour certains, mais moi je l'aime pas du tout. C'est que des petits bonhommes, tous des petits bonhommes. Je crois que, alors, j'ai même pas compris le principe. Il y a un bras, c'est un jour, un bleu de bras, un deuxième jour, une la jambe, un jour. Non, là, j'ai vraiment pas aimé ce modèle-là. Donc, je me suis dit, je reprends celui de l'année dernière. Et ça ira tout aussi bien. Voilà. Donc, ça avance. C'est bien. Donc, là, j'en suis. Alors, attendez, j'ai le plan. Alors voilà où j'en suis. Ouais, là. Donc j'en suis à cette fleur-là. Voilà. Donc les champignons, je les ai faits. Là, il me reste une fleur, deux, trois fleurs pour finir la ligne. Et après, j'aurai toute une rangée complète de fleurs. Et quand on va finir l'année, voilà. Un petit arrosoir. Un petit. Alors, là, c'est marqué projet météo, mais on pourrait mettre le nom de la ville. On pourra mettre, je sais pas, son nom, on mettra ce qu'on veut. Et il y a aussi la courbe des températures qui est là. Que je vais peut-être faire la semaine prochaine, comme ça elle sera faite. Et je ferai avec, avec les fils que moi j'ai choisis. Voilà. Donc ça avance. Alors niveau broderie, je crois que c'est tout. Oui, j'en ai fait. J'ai fait combien de broderies? Une, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait en broderie. Donc, je n'ai pas fait la grenouille. Je n'ai pas fait la grenouille. Et le calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent, il est comme je vous l'avais montré la fois dernière. J'ai pas avancé, j'ai pas eu le temps. Et voilà. Mais bon, cette semaine j'avancerai dessus. Bon, je remettrai après. Hop, voilà. Si, j'ai fait un petit peu, mais ça. Je l'avais commencé la semaine dernière, donc j'ai avancé un petit peu dessus. Donc c'est la broderie anglaise qui est dans les revues anglaises. Et donc c'est ce modèle-là. Voilà, donc c'est une toute petite broderie. J'ai avancé un peu dessus. Voilà, la semaine dernière, il n'y avait que le vert. Et là, j'ai commencé à faire le bleu. Donc, ça avance, vous voyez. Voilà. Bon, doucement, mais sûrement, elle avance. De temps en temps, je la prends, je fais quelques points. Mais c'est pas. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas de course, il n'y a pas de. C'est juste un petit plus que je me fais. Et vous voyez, j'ai mis les fils. Sur le trifil de Sabine. Voilà, il est trop trop beau. La dernière fois que j'avais fait une mini broderie comme ça, j'avais laissé tous les fils en vrac. Oh, quelle galère! Qu'est-ce que j'avais pas fait là? Ça se rappelait, c'était pour le tout petit lapin. Voilà, alors en broderie, bah, écoutez, je crois que c'est tout. Oui. Je crois que c'est tout. Je me fais une pause de 10 secondes et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Oui, je me suis changée, vous avez vu?
Eh ouais, j'ai terminé mon pull en coton. Enfin, il est fini. J'aurais mis presque un an pour le faire. Mais il est terminé. Alors attendez, je vais reculer. Mais vous avez peut-être vu les photos. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, voilà, il est terminé. Alors, je ne l'ai pas encore lavé, je n'ai pas encore coupé les fils, donc je ne l'ai pas encore mis en blocage. Mais voilà. Alors, j'ai juste un petit défaut. Là, j'ai la manche qui est bien, comme il faut. Mais là, elle est un petit peu plus. Donc, je vais essayer de la resserrer un peu en dessous. Voilà, mais bon. Hein, vous connaissez ma phrase, en marchant vite, ça ne se voit pas. Donc voilà. Trop contente. Ah, je suis contente. Et puis, il n'y a plus le temps qu'il était en route, ce pull. Mais je l'aime beaucoup. Il est léger et tout. Alors, là, attendez. Je vous baisse. Bon, alors, voilà. Ici, vous voyez, j'ai pas fait. Normalement, il fallait faire le col en V, comme ça, là, avec ça, avec la petite couture au milieu. Je ne sais pas faire. Donc, je ne me suis pas embêtée. J'ai fait aux aiguilles circulaires mon col. Oui, j'ai retrouvé mes aiguilles circulaires. je les ai fait aux aiguilles circulaires, mais en aller-retour. Et donc, quand il a fallu faire la pointe, ben, j'ai juste cousu ici et cousu pareil. J'ai cousu à l'intérieur là et j'ai cousu ici celui-là. Voilà. Ça me fait un col en V. Voilà. Il y a toujours un moyen hein, quand on ne sait pas. Oula, je vous ai mis trop. Quand on ne sait pas, ben, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et puis, ça va très bien. Donc, je suis contente. C'est terminé. Ouais, je vous dis, j'ai presque mis un an pour le faire. Donc, je l'avais fait en coton 50 de chez Bergère de France. Alors, la couleur blanche, c'était coco, je crois. Et le vert, c'est couleur... Jade, voilà. Mais le coton 50 n'existe plus chez Bergère de France. Il a été remplacé par le 100% coton bio ou 100% bio coton. Bon, enfin, c'est ça. Voilà. Mais voilà, je suis contente. Donc là, j'ai plus qu'à le passer à l'eau. Je vais le mettre un petit peu en forme en le bloquant. Alors peut-être que là, du coup, c'est pour ça que je vais rien faire pour l'instant. Celle-là, je ne vais pas la bloquer de ce côté-là. Mais je vais essayer de tirer un peu sur celle-ci. Et peut-être que voilà, je n'aurai même pas besoin de faire de reprise. Et puis de toute façon, je m'en fous. Moi, là, le beau temps va bientôt être terminé. Donc, je vais le mettre avec un petit gilet. Donc les manches, on ne les verra pas. Enfin, les manches. Les bordures de manches, on ne les verra pas. Et c'est tout. Pas s'embêter, hein. De toute façon, c'est pour moi. Alors, je m'en fiche. Ensuite, ma Betty Boop. Alors, je suis sur le chemin des finitions. C'est pas la partie que je préfère. C'est pour ça, je sais ce qu'on va me dire. Fais du tricot circulaire. Tu n'auras plus besoin de coudre tes pulls. Je sais. C'est vrai que l'assemblage, c'est la partie la plus rébarbative du tricot. Je dirais même un autre mot, c'est ce qui est plus chiant. mais bon, il faut que je m'y mette. Alors, j'avais eu peur, rappelez-vous. J'avais recommandé de la laine. Mais je n'avais eu que la prune, l'autre couleur, je m'étais trompée. Si vous vous rappelez, j'avais pris guimauve au lieu de grenadine.
Mais ça va, j'ai eu assez de laine. J'ai même pas eu besoin d'utiliser la pelote que j'avais rachetée. Alors du coup, maintenant, j'ai une pelote en trop. Mais bon, c'est pas grave, je vais la garder. Et puis si avec mes restes de laine pour ce pull-là, et puis s'il me reste de la laine de l'autre pull, comme ce sera guimauve, c'est dans les tons roses aussi, je ferai peut-être quelque chose, une écharpe ou un snood, je sais pas, on verra bien. Alors, comment je vais vous le montrer? Alors, j'ai une manche. Alors, la manche, hop, voilà. Donc, les épaules descendent un petit peu, donc ça va aller, vous voyez. Il est doux, hein? Même, même sur la peau, comme ça, on ne le sent pas. Donc, j'ai une manche. Je n'ai pas tout perdu. Et là, alors, c'est compliqué de vous le montrer, mais... Alors, je ne peux pas l'enfiler parce que je n'ai pas fini de coudre. Mais voilà. Alors là, les épaules sont cousues. Est-ce que j'aurais... Attendez, non, je ne pourrais pas l'enfiler. De toute façon, tout n'est pas cousu. Donc, ça ne va pas le faire. Mais bon, on va imaginer. On va s'imaginer. Elle est où l'épaule? Elle est là. Donc toi, tu redescends un petit peu. Voilà. Bon. Vous imaginez, hein, la deuxième manche. Je vais l'enfiler, ça fera moins bête. Je suis sûre que vous êtes en train de rigoler. Voilà. Donc. Voilà, c'est un col rond. Et alors, est-ce que si je me mets comme ça, voilà, vous voyez, il va arriver là. Donc, il a la bonne longueur. Bon, là, c'est pas cousu, donc ça fait moche. Mais voilà. Donc, bon. Un défilé en pièces détachées. Vas-y, pas là. Sur... Je sais même plus où j'ai foutu mon aiguille. Ah si, elle est là. Oh bah, j'aurais pu me la planter. Donc voilà, il faut que je termine l'assemblage. Mais après, c'est vrai qu'après 5 heures, il commence à faire sombre. Et moi, cette pièce-ci, il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a que la porte-fenêtre de la cuisine. Donc une fois que le soir commence à tomber, c'est mort. Il faut tout allumer. Et là, ça, je me fatigue beaucoup les yeux. Donc j'ai dit, c'est pas la peine. Donc bon, la semaine prochaine, je pense que l'assemblage tout au moins sera terminé. J'aurais essayé de le replier, mais c'est pas facile. Que l'assemblage sera terminé et que j'aurai commencé, parce que maintenant il faut que je tricote toute la bordure, le col et la bordure de boutonnage, et après voilà, il sera entièrement fini. Donc je ne sais pas s'il sera terminé pour samedi prochain, mais je vais essayer. Mais en tout cas, il est doux, il est bien chaud, il est. Oh, j'aime beaucoup. Donc voilà, presque terminé. On le remet dans son petit sac. Alors celui-là, je crois pas que je... Celui-là, je vais pas le bloquer. De toute façon, c'est de l'acrylique, donc ça n'a pas besoin d'être bloqué. Donc une fois qu'il sera fini, ben voilà, c'est tout, terminé. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, celui-là. Alors celui-là, il est sur le chemin aussi. J'avais dit comme objectif de terminer. Alors là, l'objectif du Bordeaux, c'était de finir les manches. Donc j'ai largement dépassé l'objectif puisque je suis déjà en train de faire l'assemblage.
Et celui-ci, le tricot, voilà, j'avais dit que je terminerai le devant, c'est chose faite, le devant est terminé. Alors, il est très large, il est très très large, voyez. Vous savez à quoi il me fait penser, à dans le Père Noël est une ordure, le gilet qu'elle tricote. Ça me fait penser à ça, mais bon, comme il n'est pas assemblé encore, alors c'est normal que le dos est plus long, ça il n'y a pas de souci. Et alors je verrai, comme il est très large, je verrai ce que je vais faire. Bon, ce que je pourrais faire, c'est à l'assemblage, je pourrais coudre, alors au lieu de coudre au bord, prendre peut-être 1 cm, voilà, ça va resserrer un peu. Et j'avais pensé peut-être, je verrai une fois qu'il sera monté, hein, parce que peut-être que sur moi, comme je suis quand même assez ronde, il m'ira comme un gant. Sinon, coudre de chaque côté, alors tricoter une ceinture, voilà, et pour faire un nœud derrière, peut-être. Mais bon, je sais pas, on verra une fois qu'il sera terminé, assemblé, et que je l'essaierai sur moi, je verrai ce que ça donne. Voilà, donc l'objectif c'était de terminer le devant, mais j'ai commencé les manches. Voilà, les manches ont commencé, donc là maintenant ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Voilà, donc une manche là, une manche là. Donc moi, oui, je tricote mes deux manches en même temps. Quand il y a deux devants, je tricote mes deux devants en même temps. Comme ça, les diminutions, les augmentations, je suis sûre qu'elles sont faites à la bonne place. Voilà. Donc, les manches sont commencées. Il n'y a plus qu'à. Alors, alors, attendez, c'est quoi? Ah, voilà. Sur une manche, voilà ce qui me reste pour le fil poilu, on va dire. C'est pas du mohair, hein, mais c'est un fil poilu. À ce qui me reste, et la deuxième manche, voilà la pelote, en sachant que je n'ai pas d'autres pelotes. Alors je ne sais pas quoi faire, justement. Dites moi vous en commentaire ce que vous feriez. Alors, je peux aller lundi à un magasin de laine, voir s'ils en ont. Parce que si je le commande, les frais de port, ça coûte la pelote. Hein, donc, ça m'embête. Donc, je vais essayer d'aller voir un magasin de laine en ville. En espérant qu'ils auraient encore celle-là. Donc, soit racheter une deuxième pelote. Voilà. En sachant que cette pelote-là, c'est quelque part, bon, c'est marqué où, c'est des pelotes de 50 grammes mais qui font 287 mètres, donc j'ai pas besoin de 200, presque 300 mètres pour faire une manche, en sachant que pour faire le devant et le dos, j'ai utilisé deux pelotes, je crois, de comme ça. Alors, soit je vais me racheter une pelote, mais il va me rester du coup beaucoup de laine après. Bon, je pourrais m'en servir pour autre chose, hein, c'est pas le problème. Soit je dédouble celle-là, mais du coup je ne sais pas. Alors, comment vous feriez? Est-ce que vous allez tirer le fil à l'intérieur et à l'extérieur et puis tricoter comme ça? En sachant que la pelote, bah, ça va se mélanger, hein, je pense. Ou alors, je coupe mon fil là au bord de la manche et je fais deux cakes.
Je fais deux cakes avec ma petite machine pour faire les cakes. Je sais pas. Dites-moi ce que vous feriez. Est-ce que vous feriez deux pelotes, hein, deux cakes? Est-ce que vous travaillez sur la même pelote comme ça, mais avec un fil à l'intérieur, un fil à l'extérieur? Mais ça, j'ai peur que ça me gêne beaucoup. Ou alors, est-ce que je vais acheter une pelote en sachant qu'il va me rester beaucoup de laine? Dites-moi ce que vous me conseillez de faire. Parce que franchement, ça m'embête d'aller racheter une pelote. Celle-là, elle est à peu près à 5 euros, un petit peu moins. Et je vous dis, et si je la commande, par contre, les frais de port, ils vont se monter au prix de la pelote. Donc, je ne vais pas payer 10 euros une pelote voilà, pour en utiliser que quoi, 10%. Donc, je me pose question de savoir ce que je vais faire. Voilà. Parce que comme c'est de la poilue, vous voyez, est-ce que comme ça, c'est facile aussi de faire des cakes? Je n'en ai jamais fait. Donc, est-ce que ce sera facile quand même de faire un cake, enfin deux cakes ou pas? Voilà. L'autre laine, là, celle-là, je vais vous montrer plutôt une pelote entière. Là, il n'y a pas de problème puisque j'ai encore des pelotes. Et puis là, c'est des petites. Enfin, c'est pas des petites, c'est des. Alors, 50 grammes aussi, mais elles font 68 mètres seulement. Voilà. Donc, celle-là, j'ai pas de problème. Ce qui me pose le problème, c'est celle-ci. Parce que pour la deuxième manche, ben, j'en ai plus. Voilà. Ça, c'est ce qui me reste. Des deux pelotes que j'ai utilisées pour le devant et le dos. Voilà. Donc, écoutez, j'attends vos conseils pour ça, pour pouvoir continuer. Voilà. De toute façon, sinon, je vais continuer hein, d'une façon ou d'une autre. Mais comme je vais lundi en ville, comme ça, si vous pouvez me dire quoi avant, enfin, là, quand vous regardez la vidéo, j'ai oublié de mettre le catalogue. Comme ça, bah, je sais si je dois acheter une pelote ou pas. Mais je vous dis, ça m'embête quand même. Parce que après, bon, je ne sais pas dans quoi je l'utiliserai. Voilà. Donc, objectif très super atteint. Alors, je ne sais, alors je sais pas, je crois que j'ai oublié de le marquer. Je ne sais plus. Ben on va regarder. Je ne sais plus si j'ai avancé sur mon. Si, bah si, comme j'ai mis la. J'ai avancé. Je vais vous montrer à quoi je le sais. J'ai avancé, je le sais parce que j'ai fait passer la laine, voilà, hop, dans le trou du sac. Donc j'ai avancé un peu sur mon cache-cœur. Voilà. Alors le 2. Donc ça c'est l'envers. Voilà. Donc j'ai avancé un peu. Oui, si j'ai avancé. Ça se voit. Voilà. Donc mon cache-cœur avance. Je suis content. C'est dommage que vous ne voyez pas la vraie couleur à l'écran. Parce qu'elle est vraiment belle. Il y a des speckles de jaune, de gris, de. Voilà. Elle est vraiment très très belle. Et d'une douceur aussi. Elle va être belle sur moi. Donc voilà, je l'ai avancée un peu. Je ne sais plus si j'avais mis. Ah bah si, là. Vous voyez, donc j'ai avancé tout ça. Voilà. Donc entre deux, je le fais. Parce que bah, du coup, je voudrais bien finir aussi. Mais celui-là, je voudrais le finir avant l'hiver, hein, si c'est possible. Donc je vais le continuer. Le pull à chouchou, lui, il est toujours là. J'ai rien fait dessus. Donc là, c'est
n'y a pas d'intérêt que je vous le montre, puisque j'ai vraiment rien fait dessus. Là, pour celles qui ne l'avaient pas vu, le cache-cœur, c'est celui-ci que je retrouve. Hein. Bah alors, vous allez voir que c'est au début où j'ai passé la page. Non, le voilà. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un pull qui va se mettre, comme là, vous voyez, avec un t-shirt en dessous. Parce que ben, sinon, il y aurait des problèmes. Voilà. Donc, il est très agréable à faire. Alors, je vais laisser mon livre sorti. Ah ben non, j'ai celui-là. Non, c'est pas celui-là que je dois sortir. Le prochain que je ferai dans ce livre-là, alors est-ce qu'on le voit en plus grand là, parce que là, il est de loin. Non, bon, je vais vous l'approcher au plus. Voilà, je vais faire celui-là après. Donc, c'est celui avec la même laine que le gilet, mais couleur guimauve. Donc, c'est un rose très très pâle. Voilà. Et celui-là, il y a un plastron à faire. C'est un empiècement ajouré. Et donc, moi, les ajourés, j'en fais jamais. Mais là, il me paraît assez facile. Voilà, le voilà. Donc, je pense que je m'en sortirai. Il se fait... Alors, où est-ce que c'est marqué? Ah. Alors, c'est un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, deux mailles ensemble à l'endroit, deux jetés, deux mailles ensemble, etc. Et sur l'envers, alors, il y a des mouches. Sur l'envers, c'est mailles envers, sur l'envers, sur tout le rang. Voilà. Donc, je pense que je devrais m'en sortir, vous voyez. Si je m'en sors pas, je crierai au secours. Mais ça devrait aller. Mais je vais d'abord finir tout, alors le pull gris déjà, le gilet, en sachant que je vais vous montrer autre chose après. Voilà, il faut d'abord que je termine. Alors vous voyez, j'ai retrouvé mon sac d'aiguilles circulaires. Alors, j'ai plein d'aiguilles circulaires dedans. Hein. Voilà, vous voyez. J'ai plusieurs pochettes. J'ai un fil qui pend, ça me chatouille. Et je m'inquiétais quand même de ne pas les retrouver. Mais c'est bon, je les ai retrouvées. Bon, pour l'instant, je ne m'en sers que pour faire des cols, des choses comme ça. Il faudrait que j'attaque quand même pour essayer de faire un pull. Alors ça, je vous l'ai montré, ça, je vous l'ai montré, ça, je vous l'ai montré. Et je suis pas sûre d'avoir fait la couverture. Est-ce que j'ai fait la couverture? Parce que je marque tout dans mon carnet. Non, j'ai pas fait ma couverture météo cette semaine. Du coup, j'ai pas avancé. J'ai pas marqué. Si, j'ai marqué la température d'aujourd'hui. Du coup, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours pour le mois d'août. Et là, 16 jours pour septembre. C'est le retard, ça. Et je m'inquiète parce que je vois que le retard avance de plus en plus. Et ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Demain, on est dimanche. Enfin, là, aujourd'hui, à l'heure où vous regardez la vidéo. Il faut que je vais essayer de ne faire que de la couverture. Que de la couverture aujourd'hui. Rien d'autre, mais alors, vraiment rien d'autre. Pas de broderie, pas d'épée, pas les tricots. Je vais essayer de faire que ma couverture.
Si je pouvais au moins rattraper déjà le mois d'août, les 12 jours du mois d'août, ce serait déjà bien. Enfin, les 11 jours, je ne sais plus combien j'ai dit, mais bon, on n'est plus un jour près. Hein. Si je pouvais rattraper tout le mois d'août, ce serait bien. Donc voilà. Alors, niveau broderie, ben, je vous ai montré. Je vais vous parler de mes objectifs pour la semaine prochaine. Mais avant, je vais vous parler d'un petit achat que j'ai fait. Je me rechange et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà, ça y est, je me suis rechangée. Bon, en fin de compte, il est un peu chaud quand même. Hein. Maintenant que j'ai remis le t-shirt, ça fait du bien. Alors, je vous jure, c'est pas ma faute. Non, c'est pas ma faute. C'est de la faute de l'Instagram de Bergère de France. Je voulais pas, hein. Mais ma souris, elle m'a fait si, vas-y, clique, clique. J'ai cliqué. Je suis pas déçue. Alors, je vais vous le mettre en photo parce que je n'ai pas. Non, c'est pas dans le catalogue. Je regarde. Et de toute façon, c'est beaucoup mieux en photo. Ouais, non, c'est pas dans ce catalogue-là. Ah, je n'ai même pas encore regardé en entier le catalogue. Mais bon. Donc, voilà. Pourquoi? Il est beau, hein? Il est trop beau. Plus de camionneur. Donc bien chaud pour l'hiver, vous avez vu, avec une fermeture éclair. J'ai jamais monté de fermeture éclair sur un pull, mais bon, ça doit pas être plus difficile que sur une robe ou sur voilà, on verra bien. Et du coup, alors je vous la montrerai plus en détail, mais je vous la montre comme ça déjà. Voilà la laine. Pour faire ce pull, alors j'essaye de vous montrer la couleur exacte. Compliqué. Voyez comment elle est belle. Je la voyais sur le site internet, je ne voyais vraiment pas la laine comme ça, avec un côté moiré dedans. Franchement, je voyais, j'avais pas vu qu'il y avait un petit côté moiré dans la laine, mais quand j'ai ouvert le paquet, je j'adore, j'adore. Et j'ai pris justement la couleur du modèle qu'ils ont présenté sur leur Instagram parce que ben, j'aimais bien. Voilà, j'aime bien le marron. Mais quand j'ai ouvert le carton tout à l'heure et que j'ai vu la laine, c'est trop trop beau. Puis elle est, oh là là, elle est douce, mais elle est douce. Alors, cette laine-là, elle se fait en 6,5. Donc, on dirait pas, hein, mais c'est quand même une laine qui va se tricoter avec des belles aiguilles. Alors, 40... Oh là là, il est temps que je retourne chez l'ophtalmo, moi. 47% de polyester, 27% de laine et 26% d'acrylique. Voilà. C'est une laine, alors celle-là, donc elle est en 6,5. C'est une 50 grammes sur 125 mètres. Voilà. Lavage à la main. Pas de sèche-linge, pas de repassage. Voilà, mais bon. De toute façon, moi, les pulls, je ne les repasse pas. Je les passe pas. Bon, de toute façon, j'ai pas de sèche-linge. Mais. Si j'en avais un, je ne les passerais pas dedans. Et ça, c'est la couleur ocre. Voilà. Donc, le fil, c'est Cocooning. Il porte bien son nom. Donc, voilà. Et j'ai combien de pelotes? 4,48.
Bien sûr, avec, j'ai eu la fermeture éclair, voilà. Elle, je sais pas, elle me paraît grande, mais bon, c'est vrai que pour un col, enfin non, c'est dans l'autre sens. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai pris du coup la fermeture éclair qu'il proposait avec. Comme ça, j'étais sûre de l'avoir et puis de l'avoir dans la bonne taille, la bonne couleur, etc. Donc, c'est une 25 cm. Voilà. C'est une non séparable. Elle est en polyester. Et donc, bon, j'ai pris aussi parce que y avait la promo est toujours en cours. Alors, ils m'ont remis le catalogue de la promo. J'ai vu. Voilà. Il y a une promo en cours en ce moment. Elle est valable jusqu'au 2 octobre. Vous avez le droit déjà à deux cadeaux. Donc, le dernier cahier de fiches créatives excusez-moi, 2023-2024. Donc, c'est la cahier créative, de fiches créatives. Je vais y arriver. Je commence à être tard, hein, je ne sais plus parler. De celui qu'on a reçu avec les échantillons de laine. Voilà. Donc, là, c'est les explications. Et on a 15 euros de réduction sur la commande. Mais alors, est-ce qu'il y a les conditions là? Est-ce qu'ils me les ont mis? Sont peut-être marquées quelque part. Parce que je sais que la laine, que on ne peut pas prendre la. Ah bah mince, comment elle s'appelle? La Barisienne. La Barisienne, on ne peut pas en prendre. Ah ben voilà. Donc, là, il faut que votre commande atteigne 59 euros. Vous aurez 15 euros de remise. Voilà. Alors, sauf sur les fils à tricoter, la Barisienne et la Barisienne 7. Voilà, celle-là, elle ne rentre pas en compte dans la promotion. Si votre commande, donc vous aurez automatiquement le cahier de fiches créatives, je vais vous montrer. Et si votre commande atteint 29 euros, vous avez le petit livret collection fil hiver. Et donc, j'ai pas encore regardé, mais dedans il y a des modèles de tricot également. Voilà. Ici, dans le petit livret qui vous rajoute également avec la promo, on voit des modèles de pulls, tout ça. Et voilà, la promo. Donc, si vous êtes déjà abonné à Bergère de France, vous avez dû le recevoir, ça. On l'a eu cette semaine. Mais là, ils me l'ont remis. Donc, voilà, j'ai eu le petit livret fil hiver. Mais je vous montrerai ça en détail sur une autre vidéo parce que là sinon ça va durer très très longtemps. Donc on a des modèles de gilets, non, un pull tout simple en point mousse. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Donc il nous parle de nouveaux fils hein, dedans. Il y a eu trois nouveaux fils. Que c'est avec tous ces fils là si je ne me trompe pas. Alors le nouveau, un nouveau, c'est le Maya. C'est un coton avec une partie de coton recyclé, du polyester recyclé, du polyester normal et du polyamide. Voilà, donc là on a des modèles de petits pulls, voyez, genre comme ça avec ce fil. Je vous dis, je vous ferai une revue détaillée. Hein. Et après, l'autre laine. Ah, il y a même une robe. Alors, l'autre fil. Ah, il y a encore un cache-cœur. Ah, voilà. C'est le Bonnie. Alors, celui-là, c'est 88% d'acrylique et 10% de polyester.
Et pareil, vous voyez, le pulpoint mousse, par exemple. Et le troisième fil que l'on a, voilà. Ah oui, c'est une nouvelle barisienne. C'est la barisienne bébé. Donc celle-là, elle va se tricoter en 3. Donc c'est du 100% acrylique, là, la barisienne. Par contre, les couleurs, c'est des couleurs assez, à part les deux dernières, mais vous voyez, c'est des couleurs assez pastel. Donc, elle est vraiment... elle me plaît bien aussi, celle-là. Bon, on verra pour l'instant. Mais je crois qu'il y a des petits modèles pas mal. Ah, il y a un petit pull marin, vous voyez. Mais bon, là, je viens de me faire un pull avec des rayures comme dans ce sens-là aussi. Bon, là, les rayures sont moins grosses. Donc, peut-être que ça va moins me grossir. Mais bon. J'ai déjà un pull rayé de prévu à faire. Là, c'est un pull tout ajouré. C'est en quoi ça? Ah, si, c'est en tricot. Là, il n'y a que des trous. Un trou, une maille, un trou, une maille, un trou. Oh, un débardeur à torsade, ça c'est un. Alors, si ma petite fille elle voit ça, elle va dire mamie, mamie, c'est parce qu'elle en veut un. Voilà, elle en veut un comme ça, dans le même genre. Par contre, les tailles SM, ça me paraît un peu grand, mais bon, je peux peut-être l'adapter. Faudrait que je regarde. Oh là là, la grille. La grille du poing. On fera après qu'on aura été revoir l'ophtalmo, hein. Parce que là, je sais pas si en largeur ça fait. Alors pour le devant, enfin devant ou le dos, ça fait 42 cm. Ma petite fille, elle a 11 ans. Bon, elle est déjà, elle est bien, elle est grande et tout, hein, quand même. Mais du S, j'ai peur que ce soit quand même grand pour elle. Bon, on verra, hein, on verra. Voilà. Et ensuite, non, mais c'est tout. Après, il montre des sacs, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'est le petit livret gratuit qu'ils ont mis avec sur les fils d'hiver, donc avec les trois nouveaux fils. Et donc on a le cahier de fiches créatives gratuit avec. Voilà, parce que la commande dépassait 59 euros. Donc c'est pareil, celui-là je vais vous le montrer en détail dans une vidéo parce que là ici ça va être beaucoup trop long. Ouais, ça va être beaucoup trop long. Il y a 73 modèles. Donc, ça fait un peu. La vidéo ici va être vraiment trop trop longue si je vous le présente en entier. Donc, tout ça, je vais vous refaire une vidéo pour vous le présenter. Alors, ce pull-là, c'est pareil. Je vais attendre d'avoir fini déjà entièrement le gilet. Le pull gris, ça devrait aller vite aussi. J'attends votre conseil et puis je m'y mets pour terminer les manches. Donc une fois que les manches sont finies, bah là ça va être facile, hein. Une couture là, une là, hop, terminé, il est fait. Et je regarderai si je ne vais pas faire une petite bordure quand même autour du col. Eux, ils n'en prévoient pas. Mais j'ai quand même envie de faire une petite bordure. Pas beaucoup, hein, peut-être 1 cm, même pas, enfin si quand même, au moins 1 cm pour que le col reste bien stable. Voilà. Du coup, j'ai ce pull-là à faire et celui que je vous ai montré de chez Fildart, du livre Tricot pour les rondes. Voilà. On va être raisonnable, on termine le gilet d'abord, on termine le pull gris et après on pourra attaquer un autre pull. Voilà, lequel des deux, je ne sais pas. Alors, je vous mettrai, pas tout de suite,
Mais je vous mettrai peut-être un sondage pour moi savoir ce que vous voulez que je fasse. Bon, en sachant que je ferai les deux, hein, bien sûr. lequel vous préférez que je commence? Pourquoi pas? Bon, je sais que j'ai une petite préférence, mais voilà. Bon, ben écoutez, on va y se coucher. mais avant de se coucher, on va ranger tout ça. Si je vous montrais, il y en a partout. Donc, je vous rappelle de me mettre les numéros. Donc, trois numéros cette fois-ci. Vous me mettez, je vous remets l'image là. J'espère que la semaine dernière, j'ai oublié de vous la remettre à la fin. Mais cette fois-ci, j'espère que je n'oublierai pas de vous la remettre. Donc, je vous laisse choisir trois numéros. Vous me les mettez en commentaire. Puis voilà. Je vous ferai peut-être un. Oui, je vous ferai très certainement un podcast pour le tricot. C'est pour ça, comme ça, si j'ai fini le pull gris ou le gilet, ben, vous le verrez aussi pendant le podcast. Là, cette semaine, je vais. Enfin, il est fini, mais je veux dire. Je vais. Là, je tombe réellement. Je vais bloquer mon pull sans manche. Voilà, je vais y arriver. Ouais, comme ça, le gilet, le pull gris. Avancer également le cache-cœur. Alors, justement, en parlant d'objectifs, bah, j'en ai pas marqué. Alors c'est super, j'ai rien marqué, je croyais l'avoir préparé. Oh, c'est pas grave. On va le faire. Bon, là j'ai plus de place. Ah bah si, vous l'avez vu de toute façon. J'ai également fait, c'est pour ça que ça m'a pris du temps, que j'ai pas pu tout faire. Voilà aussi pourquoi. J'ai fait la boîte à explosion. Pour ma petite fille, pour son anniversaire. Alors, je suis désolée, je n'ai pas fait de tuto parce que, bah, toujours à cause des travaux, et puis c'était très très long à faire quand même. Donc, je n'ai pas fait de tuto. Mais, alors, si j'oublie pas, j'essaierai de vous remettre le lien d'une vidéo que j'avais fait il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, avec un tuto d'une boîte à explosion. Voilà, donc j'ai essayé de ne pas oublier et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, en attendant, voyez, je vous mets la vidéo de ma boîte à explosion terminée. Je vous l'avais déjà mis en short. Alors, ça l'a beaucoup plu à ma petite fille. Bon, je ne sais pas dans quel état est la boîte maintenant. Parce que bon, tous les chocolats ont été collés aux doubles faces. Donc bon, je sais bien que la boîte, elle va pas durer longtemps, hein. Voilà, le temps qu'elle mange ses chocolats, après il n'y aura plus de boîte. Mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. C'était pour lui faire plaisir. Et voilà, et puis il y avait un petit cadeau supplémentaire que ses parents, enfin les chocolats, tout ça, c'est ses parents qui me les ont donnés pour les mettre, hein. Donc mon fils et ma belle-fille. Et il m'avait donné également aussi une petite. Elle adore le magasin Action. Et donc, il lui avait acheté une petite carte cadeau pour qu'elle s'achète des choses à Action. Et je crois d'ailleurs qu'elle y est allée aujourd'hui avec sa maman chercher des choses. Voilà. Elle, vous lui offrez une carte cadeau Action, elle est contente. Hein, voilà. Moi, je lui avais offert une trousse de toilette. Parce qu'elle aime beaucoup aussi, c'est pour ça quand elle va à Action, elle aime beaucoup les, vous savez, tous les masques individuels, tout ça, là, les petites crèmes. Elle a 11 ans, mais elle est très coquette. Elle aime bien prendre soin d'elle. Et du coup, je lui avais acheté une trousse de toilette. Ça fait un peu comme du daim, rose, elle est couleur rose. Et du coup, elle était très contente aussi de sa trousse de toilette. Voilà.
Et en même temps, donc, je lui ai fait vous voyez ici, une petite carte d'anniversaire pour lui marquer joyeux anniversaire. Voilà, je leur fais toujours une carte. De toute façon, ils ont toujours droit à une carte à leur anniversaire, à Noël, à Pâques, Nouvel An. Puis voilà, je crois que c'est tout. Donc, je leur fais toujours des cartes moi-même. Et donc, j'avais fait cette petite carte pour elle, et elle lui a beaucoup plu également. Voilà. Donc voilà, oui, c'était ça. Depuis tout à l'heure, je cherchais quand même. Je dis mince, j'ai fait un truc dans la semaine, mais c'était ça, c'était la boîte à explosion. Donc, le bilan, je vous l'ai dit, on a fait le pulgris, le sale. Je regarde si je vous ai tout dit. Et ouais, c'est pour ça que je l'avais marqué boîte à explosion. Ouais, c'est bon, j'ai tout dit. Alors, les objectifs, pardon. Objectifs de la semaine. Vous savez que j'aime bien marquer sur mon carnet en même temps, comme ça c'est fait. Alors, en tricot, bah, finir le gilet. Voilà, tout simplement. Essayer de finir le pull gris, ou tout au moins les manches. On va marquer les manches. Pull gris, finir les manches. Voilà. Avancer le cache-cœur, le pull cache-cœur. Donc, on va dire l'avancée de 10 cm. Voilà. Si j'arrive à faire plus, c'est bien. Donc, niveau tricot, c'est tout. Crochet, donc, ça, c'est la couverture météo. Voilà. Donc faire le mois d'août, tout simplement. Hop, août. Si j'arrive à faire un peu de septembre, bah, tant mieux. Mais je ne pense pas. Et niveau broderie. Broderie, voilà. Bah, je vais marquer en premier la grenouille. Parce que je voudrais bien me mettre sur ma grenouille. Voilà. Les alvéoles, en faire deux, comme d'habitude. La broderie météo, donc celle de jardin privé, bah, faire les jours que de la semaine, hein, faire la semaine. Elle m'a fait peur. Pff, elle a sauté de sa chaise, j'ai eu peur. Y a pas un bruit là, du coup, j'ai peur. La maison météo, bah, deux fenêtres, hein, comme d'habitude. Si je peux en faire plus, c'est bien. Deux fenêtres ou faire la porte. Ou la porte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais plus. Oui, avancer le calendrier de l'Avent. Donc, je ne marque pas combien, mais je marque juste l'avancée. Voilà. Ma carotte, elle reste encore, vous savez, mon lily-point, pour l'instant, est de côté encore. Ça, j'ai noté, ça, je l'ai noté. Ça, j'ai mis. Ah oui. Mon mandala, donc bah, finir le mandala du coin, voilà. Bah, en broderie, je crois que ce sera tout. Oui, si j'arrive à faire d'autres choses, bah, je rajouterai, ce sera bien. Et le DP, faire les trois cases du coup.
Alors, je ne vous ai pas montré le coloriage parce que du coup, je n'y ai pas touché cette semaine. Mais je vais voir pour en faire cette semaine si j'ai un petit trou. Voilà, je marque plus coloriage. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. En tricot, donc finir le gilet. Le pull gris, finir tout au moins les manches. Si j'arrive à le finir complètement, ce sera bien. Avancer le cache-cœur de 10 cm. La couverture météo, bah, rattraper mon retard du mois d'août. En broderie, faire. Ah, j'ai pas marqué. La grenouille, on va dire 200 points. Ah, mais si, j'ai une broderie à marquer. J'ai oublié. La broderie de le sale de Julia. Voilà. Le sale de Julia. Donc, il y a 1000 points à faire sur le mois. Donc, ça fait 3 et 3, 6. Ouais, ça fait à peu près 320 points par semaine. Donc, je vais marquer 320. Voilà, environ. Voilà, donc il y aura le sein de Julia, là, le All Forest. Après, faire deux alvéoles, faire ma semaine en la broderie météo avec les fleurs, ma maison météo, faire deux fenêtres ou la porte, calendrier de l'Avent, je l'avançais, voilà. Le mandala, finir le coin. Et le DP, faire trois cases. Et si j'ai encore un peu de temps, faire le coloriage. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous me disent, mais comment tu fais les objectifs que je me mets sont grands, c'est vrai. Comment je peux faire tout ça sur la semaine? Bon, déjà, moi, je travaille pas. Malheureusement, je suis en invalidité, donc je ne travaille plus. Je suis à la maison, mais ma santé me donne des difficultés aussi pour faire le ménage, tout ça à la maison. Donc, je suis beaucoup, 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 beaucoup aidée par Chouchou. C'est surtout lui qui. Il passe l'aspirateur, qui lave, qui passe le vapeur sur le carrelage, voilà. Moi, je vais m'occuper de la lessive, mettre en route la lessive. Je vais pendre le linge aussi, je vais changer les draps du lit. Lui, il n'aime pas laver l'escalier, donc quand il a besoin de laver l'escalier, bon, ça, c'est moi qui le fais. Du repassage, on n'en fait pas. On repasse vraiment hein, quand on en a vraiment besoin, mais sinon on repasse pas, on plie, on met dans l'armoire. Voilà, je m'occupe de mes plantes, lui s'occupe de ses oiseaux, de son poisson. On s'occupe des bébêtes à deux, hein, nos poilus. Voilà. Donc j'ai beaucoup de temps. Tous les 15 jours, je fais. Passe la tondeuse dans le jardin. Voilà. Ça, le jardin chouchou, il ne veut pas en entendre parler. Il a horreur de ça. C'est un gars de la ville. Hein, donc, voilà. Donc, voilà. J'ai beaucoup, beaucoup de temps. Puis, je me couche tard. Vous voyez, là, il est 10h30. Mais je ne serai pas couchée avant minuit, au moins. Donc, des fois, je suis couchée un petit peu avant minuit et demi. Bon, c'est le plus tard que je me couche, hein, quand même, minuit et demi. Et donc voilà, le soir j'ai beaucoup de temps toute seule parce que Chouchou par contre est à couche-tôt, il se couche vers 9h, donc moi de 9h à minuit j'ai tout mon temps pour broder, pour tricoter, pour voilà. Et puis l'après-midi pareil, le matin à partir de 10h, 11h, des fois je suis sur mon bureau avec une broderie, voilà, où je fais mes montages vidéo, voilà. Donc, je vous aurais donné l'explication comment j'arrive à faire tout ça sur la semaine. Quand je ne suis pas embêtée, que je n'ai pas de rendez-vous, quoi. Là, comme lundi, j'ai un rendez-vous. Donc, mon après-midi, elle sera morte. Mais voilà, c'est pas grave. Donc, voilà. Je vais.
profiter peut-être dans cette semaine, je vous ferai une vidéo assez courte. Je vous demanderai ben justement, parce que comme vous êtes beaucoup à me poser des questions sur comment je fais, que sur ça, sur ci, ou, j'en ai fait une il y a un an, je crois. Enfin, je ferai une mini vidéo pour que vous puissiez poser vos questions, une vidéo FAQ, et je ferai une autre vidéo pour vous répondre. Voilà, d'ici quelques jours, quelques semaines, je vous ferai une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Bon, là, je crois que maintenant la vidéo est très très longue, donc je pense que je vais vous abandonner parce que vous allez me maudire vu la longueur de la vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous remercie tous d'être là, d'être fidèles à ma chaîne, de regarder toujours mes vidéos, de me mettre plein de commentaires. Là, je suis un petit peu en retard pour répondre, mais c'est pareil, je vais rattraper ça. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et faites plein de belles créations. À bientôt. Bisous, bisous.